je pense qu'effectivement, c'est une nouveauté d'avoir invité un peu tout le monde de la cybersécurité luxembourgeoise à un événement commun, unique. Et c'est très symbolique parce que c'est pour la première fois qu'on se présente au grand public ensemble, post-EBRC, aussi l'une de nos compétences qu'on a au niveau du groupe depuis un certain temps. Des compétences, je dois dire, qu'on a beaucoup développées ces dernières années, où on a beaucoup investi. On a aussi beaucoup travaillé sur la gouvernance. En ce sens, on s'est doté d'une stratégie du moins élaborée et aussi finalement approuvée par notre conseil d'administration. On a mis en place les organisations, les structures en place qu'il le faut. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on a mis ensemble toutes les compétences qu'on a au niveau du groupe depuis, comme je disais, un certain temps déjà, mais vraiment de les faire coopérer, d'identifier les synergies qu'on peut dégager. Parce qu'à vrai dire, on a tout de quoi satisfaire le client, non seulement en termes d'offres commerciales, mais aussi au niveau du conseil en sécurité, l'aider le client à faire le design de son architecture jusqu'à la prestation de services final, permettant en fin de compte au client de se concentrer sur son business.